Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Max du 15. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, à savoir que moi et Furu, aujourd'hui, on a été au cinéma. Voilà, on a été voir la deuxième partie de ça. D'ailleurs, que je conseille, parce que c'est un bon film. Mais le problème, c'est que la fin, elle est un peu nulle. Enfin, voilà, elle n'est pas très épique, mais bon, en même temps, c'est compréhensif. Mais sinon, c'est pas top, la fin. La fin n'est pas top. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Du coup, on sort du ciné, on attend qu'on vienne nous chercher. Il est dans les alentours de 17h, tu vois, parce que le film 2h45, tu vois. Excusez-moi. Du coup, on sort et tout, on s'installe. Il y a un muret, en fait. Donc, il y a le parking juste derrière. Il y a un muret juste en face du cinéma. Du coup, on s'assit et il y a deux messieurs qui sont là, qui sont installés là. Ils sont en train de parler, ils sont en train de, enfin, voilà, de refaire leur truc, leur bail. Et puis voilà, moi et Furu, on parle de tout et de rien, on rigole. On dit nos impressions sur les films parce que nous on aime bien dire s'il était bien ou non. Du coup ben, on parle, on rigole, on fait tout le bazar. Et puis à un moment il y a un justement des messieurs des deux qui vient vers nous et en fait il nous demande si on n'a pas une cigarette. Du coup nous on dit non, désolé, on n'est pas fumeur, on fume pas. Et puis après il nous demande s'il peut prendre un de nos téléphones pour téléphoner à quelqu'un. Alors, vous savez, les gens, en général, quand ils essayent de voler un téléphone, ils font exprès de demander justement pour téléphoner, pour justement profiter pour filer. Mais le téléphone de Furu et mon téléphone coûtent 350 balles. Et puis, de un, première chose, je ne le connais pas. De deux, j'ai pas confiance en lui parce que je le regardais. Et il m'inspirait pas confiance, en plus il avait une carapace en main, donc une bière, une semoir pour ceux qui connaissent. Du coup voilà. Du coup, Furu refuse, moi aussi je refuse totalement de prêter mon téléphone, parce que je pense que un minimum, avoir un téléphone sur soi, parce qu'il n'était pas SDF, ça se voyait, c'était pas quelqu'un qui vivait dans la rue, donc il avait les... maintenant voilà. Bref, c'est pas le truc. Du coup, oui, je suis debout, je suis en train de tenir mon trépied debout. J'ai pas envie de m'asseoir. Du coup, à un moment donné, il dit ouais, parce que le mec, c'est un Belge, c'est un pur Belge, hein, comme moi, un pur Belge. Et genre, il dit ouais, je vais vous dire ce qu'il a dit, hein, vous allez voir. Il a dit ouais, moi je suis pas un arabe, je vais pas vous le voler. Hein. Du coup, ben, nous, on se dit ouais, mais. Tu sais, dans notre tête, on dit « Ouais, mais même !» Du coup, Furu, il dit « Non, désolé, même, on ne veut pas, quoi. » Et moi, je l'ai regardé. J'ai dit « Non, clairement, j'ai dit non, j'ai refusé. » On ne prête pas quelque chose, déjà, quelqu'un que... Si toi, tu n'as déjà pas la confiance, c'est déjà mort. Pas parce que j'ai déjà aidé quelqu'un à téléphoner. J'ai déjà eu des gens qui ont... ils m'ont demandé pour téléphoner, voilà, j'ai accepté, mais voilà, ils étaient respectueux, du coup, mais lui, il n'était pas, tu vois, il n'était pas très amical. Du coup, ben, après, il commence à avancer, il nous regarde et il nous traite de racistes. Alors, moi et Furu, on est belge, lui, il était belge aussi, c'est même pas que c'était un Algérien ou un Turc, mais, nous, on n'est pas raciste. Du coup, Furu, il a dit, mais on n'est pas raciste. Et du coup, le mec, il s'est retourné et il a dit, quoi, tu veux que je ne t'en mette une? Du coup, moi, j'ai fait quoi? J'ai commencé à serrer le poing, tu vois. J'étais comme ça, j'avais les bras croisés, tu vois. Et j'ai commencé à faire comme ça et à cacher le poing, comme ça, s'il avançait vers Furu ou quoi, je lui en mettais une. Dès qu'il franchissait devant moi, je lui en mettais en plein nez, je lui en mettais une, tu vois, je lui en décalais une. Après, il y a l'autre, il a dit non, c'est bon, viens,
Bah, le mec, il avait une trentaine d'années, quoi. Il a 30 piges, le mec. Le mec, il a 30 piges, il veut nous agresser. Alors, c'est pas une agression comme vous pouvez le penser, ou il a frappé, ou quoi. Mais c'est une agression verbale. Donc, ce qui veut dire que même si le mec ne vous touche pas et qu'il vous insulte, c'est une agression verbale. Du coup, voilà, enfin, c'était le bordel. Du coup, en plus, 5 minutes avant, il y avait la police qui est passée. Du coup, je me suis dit, putain, si les flics auraient passé à ce moment-là, j'aurais fait un signe aux flics pour dire de gérer le truc, tu vois, parce que j'aime pas la violence. J'ai jamais aimé la violence. Quand je peux l'éviter, je l'évite. Quand tu dois rentrer dedans, tu rentres dedans, tu vois. Après, ici, j'étais déjà prêt à lui encaisser une noix. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire de faire attention. C'est pour ça que je dis dans mes lives Insta, que d'ailleurs pour le moment je ne fais plus parce que d'un, je tousse, j'arrête pas de tousser et que je ne me sens pas trop bien par moment, du coup je fais attention. Et de deux, ben, parce que je suis tout simplement occupé en ce moment. J'ai beaucoup de choses à faire. Comme vous savez, j'ai le nouveau salon. Aujourd'hui j'ai été au cinéma parce que j'ai pu profiter, sinon je suis occupé, tu es occupé. Enfin voilà, du coup, ben, c'était une petite vidéo que je devais vous faire. La vidéo blind test de Fortnite, justement, sera disponible donc demain. Voilà, je suis vraiment désolé. Et puis voilà, du coup, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et c'est important pour que je vous en parle. Voilà, tout simplement. Au revoir tout le monde, c'était Max Lucas.